Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de Paris Tour 2022, 116e édition, comme le Tour de Lombardie de Paris Tour, une édition qui sera marquée notamment par la dernière course du grand Philippe, du roi Philippe, Philippe Gilbert, qui prend sa retraite du côté de Paris Tour. On espère le revoir même sur les courses, Philippe Gilbert, je sais pas, ou peut-être un rôle de consultant du côté de la RTBF ou sur d'autres chaînes de télévision, mais coureur très sympathique, Philippe Gilbert, et qui a une carrière extrêmement longue, hein. Il a commencé, je rappelle, il avait 19 ans, Philippe Gilbert. C'était à l'époque l'un des coureurs les plus jeunes qui devenait professionnel dans une équipe, à l'époque des groupes sportifs 1, parce qu'il a même connu l'époque avant le World Tour. Et le Pro Tour, Philippe Gilbert, pour vous dire que ça ne nous rajeunit pas, cette affaire-là. On va revenir donc sur cette course qui a su se réinventer avec les chemins de vigne. On va regarder le parcours, la météo, les équipes au départ, enfin voilà, tout pour bien suivre cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette épreuve et votre grosse cote. Et puis, n'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Paris Tour 2022, 116e édition, nouvelle édition avec les chemins de vigne comme depuis les 5-6 dernières années, ce qui est devenu une classique qui avant était quand même vraiment réservée pour les sprinteurs et qui était devenue un petit peu ronflante, c'est-à-dire que c'était vraiment sur les 20-30 derniers kilomètres que ça se déclenchait Paris Tour, même les victoires de Philippe Gilbert, hein, c'était au même endroit où il faisait ses attaques et ça se déclenchait vraiment dans le final, donc c'était devenu assez ennuyant à regarder. Je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas fans du fait qu'on ait décidé d'ajouter les chemins de vigne. Moi, j'ai trouvé que ça a relancé la course. Alors, tout n'est pas parfait avec ces chemins de vigne parce que, alors, même si ça s'est amélioré, mais au départ, c'est vrai que c'était limite un champ de ruines pour les roues, tellement elles étaient dans des états pas possibles. Je trouve qu'on a quand même pas mal progressé quant à la préparation de ces chemins de vigne pour qu'ils soient vraiment praticables pour les coureurs. Et je trouve que ça a vraiment changé complètement cette course qui est devenue une classique très difficile avec ce parcours exigeant. Et surtout, ça se déclenche un peu plus tôt maintenant la course, même si c'est vrai qu'on a rarement du spectacle jusqu'à l'arrivée avec ce profil-là. C'est vrai que parfois dans les 15 derniers kilomètres, ça devient un petit peu plus calme pour les coureurs. Quoique l'année dernière, on avait eu un très très beau spectacle, même jusqu'à la fin avec ce fameux sprint Démare Bonamour, où Bonamour avait failli menacer Arnaud Démare. On regarde tout de suite le parcours de cette dernière course de King Philippe. On part de Chartres pour aller à Tours. Alors, je m'excuse pour le profil, il n'est pas très clair pour vous, mais pour moi non plus, sur la fin de course, mais je vais essayer de vous l'éclaircir un petit peu. Mais le problème, c'est que ça soit le profil de Pro Cycling Stats ou le profil également de nos amis de ASO, c'est aussi peu clair d'un côté que de l'autre. Donc voilà, j'ai tenté le coup d'un côté de l'autre, ça fait pas grand-chose. On part de Chartres pour aller à Tours, 215 km. On est un peu plus long, j'ai l'impression, que les années précédentes. Au niveau du parcours, les dernières années, on était plus proche des 200 km. Là, on est à 213 500 km, donc on a dû prendre une dizaine de kilomètres sur le parcours. On part de Chartres, on va traverser donc toute cette vallée, toute cette portion de la Beauce, toujours très plate et très venteuse, cette portion de la Beauce, notamment Bonneval, notamment Lanneret, Cloy sur le Loir, le ravitaillement qui sera du côté de Vendôme, donc c'est à une centaine de kilomètres de l'arrivée, notamment Vendôme. On passe à Herbault et puis à partir de Cangé, c'est là où la course va commencer à devenir beaucoup plus intéressante, avec des difficultés qui vont énormément s'enchaîner à partir de Cangé. Vendôme, ça sera à 100 km de course, voilà, donc ça sera à peu près à la mi-course pour vous situer, et Cangé donc qui se situe juste avant les premiers secteurs, mais en fait
voilà, une vingtaine de kilomètres avant, ça a commencé vraiment à s'activer énormément. Bon, vous le savez, ça marche un petit peu comme une course de pavé, hein, ce Paris-Tours. C'est-à-dire qu'on essaye de se placer devant pour les chemins terreux. Parce que bah voilà, il faut être placé, les chemins de gravel, parce qu'il faut être placé au bon endroit. Du côté de Cangé, c'est là où ça va commencer à devenir très intéressant, avec la première côte du jour, la côte de Limeray, qui sera donc à 67 km 400 de l'arrivée. On la franchira entre 15h10 et 15h29, donc si c'est l'horaire le plus rapide, il ne faudra pas que les coureurs soient en avance, parce que sinon, on n'aura pas encore les images de la course à ce moment-là. Cette côte de Limeray, donc, qui est une côte assez courte, j'ai plus le pourcentage, mais c'était pas énorme. La côte de Limeray, je vous indiquerai assez rarement les pourcentages parce que c'est 1 km à 2,8%, parce qu'ils ne sont pas très représentatifs et c'est des côtes qui sont très très courtes. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant de savoir qu'une côte, il y a 5%, il n'y a pas du 10% comme sur Paris-Bourges, c'est beaucoup plus plat. Donc on commence avec cette première côte et en fait la particularité à chaque fois de Paris-Tours, c'est que la plupart des côtes sont enchaînées avec un chemin de vigne ou sont intégrées à un chemin de vigne. Donc cette côte de Limeray, elle est intégrée en fait dans un chemin de vigne qui est le chemin de vigne de Limeray qui dure 1 km. Et ce chemin de vigne, et qui est une nouveauté de l'année 2022. Il y a deux nouveautés qui sont situées donc, dans cette première partie de parcours avec Limeray et le chemin juste après le chemin numéro 9, parce que c'est décroissant comme d'habitude, qui est le chemin de Possé sur 6, chemin qui fait là également 1,1 km. Juste après, on aura un petit passage un peu plus calme, notamment un passage à Amboise, un passage à Nazelles-Négron. Et puis on arrive ensuite, après cette dizaine de kilomètres de pause, où on essayera de récupérer des bidons, on essayera également de voir qui est là et qui a déjà disparu du groupe de tête. On arrivera à la côte de Gauguin, qui est au kilomètre 50 x 6 et qui est intégrée en fait au chemin de vigne de la Grosse Pierre, qui dure 1 km 600, ce chemin de la Grosse Pierre qui est qui dure 1 km 6 et qui est le chemin numéro 8. On enchaîne ensuite avec le chemin de vigne numéro 7 qui sera 4 km après, enfin même moins de 3 km, 3 km après, 3 km après être sorti du chemin de vigne numéro 8, on attaque le chemin de vigne numéro 7 qui est le chemin de vigne du château de Valmer. Il est très court celui-là, ce chemin de vigne, il dure seulement 500 mètres. Et ensuite on attaque la côte du bois de Chancé et on enchaîne tout de suite ensuite après cette côte du bois de Chancé, donc qui est kilomètre 43,7 avec le chemin de vigne de Chancé à Reny qui lui dure 1,8 km, ce chemin de Chancé à Reny qui est donc le secteur numéro 6. On aura ensuite une période de pause de nouveau dans les chemins de vigne pendant une dizaine de kilomètres où on essaiera encore une fois de faire le point ou parfois c'est un moment où ça va se regarder et on peut avoir une attaque et pourquoi pas partir en contre avec notamment une zone de collecte au kilomètre 41,7 km de l'arrivée et puis on arrive du côté de la vallée du Vau avec la côte de la vallée du Vau au kilomètre 33,1 au niveau du sommet et qui s'enchaîne comme d'habitude avec un secteur de chemin de vigne qui est le chemin de vigne de Noiset qui dure 600 mètres ce chemin de vigne donc qui s'arrête à 32,4 km de l'arrivée et ensuite on enchaîne donc 2 km après avec le chemin de vigne des épinettes qui est un chemin de vigne je crois me rappeler assez traître et qui dure 1,2 km et 1 km après ce chemin de vigne, c'est la côte de la Rochère qui fait partie du chemin de vigne de Vernou. C'est le chemin de vigne numéro 3. Ce chemin de vigne dure 900 mètres. Et ensuite, on passe à Vigneux-sur-Brenne au kilomètre 26,9, à 26,9 km de l'arrivée, je vais y arriver. Et à 22,6 km de l'arrivée, c'est la côte de la vallée Chartier qui s'enchaîne avec le chemin de vigne du Peu-Morier, chemin de vigne qui dure 1,6 km. Et puis ensuite, on a ce chemin de vigne qui se termine à 20 km de l'arrivée,
Vouvray, avec la côte de Vouvray, qui est une côte très difficile. On enchaîne deux côtes qui sont compliquées dans cette fin de parcours. On a la côte de Vouvray et la côte de Roche-Corbon, qui est peut-être la côte la plus difficile, qui est à 10 km de l'arrivée. Et entre les deux, on a le chemin de vigne, le dernier chemin de vigne, qui est le chemin de vigne de Roche-Corbon, à 13 900 km de l'arrivée pour l'entrée, et qui dure 800 mètres, ce chemin de vigne de Roche-Corbon. Et puis ensuite, après la côte de Roche-Corbon, on rentre dans Tours. On traverse notamment la Loire du côté de Tours et on arrive avenue de Gramont pour le final de cette épreuve. Avenue de Gramont, je crois à peu près 500-600 mètres de l'arrivée. On a un virage voilà, à 90 sur la droite et puis ensuite on a cette avenue de Gramont, toujours aussi large et toujours aussi mythique, même si on l'a connue qui durait 3 km, qui durait une éternité, cette avenue de Gramont. On passe tout de suite à la météo, parce qu'il faut toujours savoir quel temps il va faire sur la course. Du côté de la météo, soleil, 18 à 21 degrés avec un vent d'est. Vent d'est qui sera entre 15 et 30 km/h. Il sera totalement de côté sur la première partie de course, sur la portion de plat. Il sera totalement de côté, mais pas suffisant pour faire un coup de bordure. Et par, il faudra faire attention de ne pas chuter, hein, ça pourrait provoquer des petites vagues dans le peloton. Et par contre, dans les sections gravel, il sera totalement de dos. Ça devrait donc animer la course et ne absolument pas la bloquer. Du côté du palmarès de cette épreuve Paris-Tours, le top 3 de la dernière édition, c'était Arnaud Démare qui s'imposait devant Franck Bonamour et Jasper Stuyven. L'année d'avant, c'était Casper Pedersen qui s'était imposé devant Benoît Cosnefroy et Joris Neverius. Et puis, Yele Vallée s'est imposé en 2019. Craig Anderson, Trentin l'a remporté à deux épreuves, à deux occasions, à une époque où il n'y avait pas de chemin de vigne. On a également Vanda Vermaat qui l'a gagné en 2011, deux victoires donc pour Philippe Gilbert en 2008 et 2009. On a également Alexandro Petacchi qui s'est imposé en 2007, Frédéric Guédon 2006 pour ceux qui s'en souviennent, une grosse bagarre avec le peloton, Richard Virenque en 2001 bien entendu. Eric Zabel s'est imposé à trois reprises, Jackie Durand en 98, on a également Adrie Van Der Poel en 87 qui s'était imposé, beaucoup de Belges, hein, c'est peut-être la classique française qui a été le plus remportée par les Belges et puis la première édition avait été remportée en 1896 par Lucien Eugène Prévost qui avait remporté la première édition. Octave Lapisse, par exemple, en 1911, avait remporté l'épreuve. Lucien Petit-Breton, également en 1906, la première star du Tour de France. Et puis Henri Pélissier, également, à deux reprises en 1921 et 1922. Et l'année d'avant, c'était Eugène Christophe, mais c'était encore une autre époque du cyclisme. On poursuit avec les équipes présentes la liste de départ. La Groupama FDJ vient avec Arnaud Démare notamment et Stefan Kung, la Lotto Soudal qui vient avec Victor Campenaert, Philippe Gilbert, Arnaud Dely, en rappelant qu'il y a beaucoup d'équipes qui viennent et qui étaient déjà présentes à Paris-Bourges et qui viennent avec les mêmes effectifs. Du côté de BNB Hotel, on vient avec Alexis Goujard, Franck Bonamour, Cyril Lemoine et encore Luca Mozzato. Je ne sais plus si ce n'est pas la dernière course de Cyril Lemoine. Non, parce que Cyril Lemoine, non, j'ai dit une connerie. Cyril Lemoine continue jusqu'à Paris-Roubaix. Du côté de la Trek, c'est Gaffredo. On vient avec Jasper Stuyven, Edouard Tuns et Tony Galopin qui, je crois, va remporter l'épreuve Espoir. Du côté de la Jumbo-Visma, c'est Christophe Laporte qui vient avec Eduardo Affini et Mike Tennyson notamment. AG2R vient avec Benoît Cosnefroy et Clément Venturini. Du côté d'Alpecin, on vient avec Jasper Philipson sur cette épreuve. Du côté de la bike qui a remporté Paris-Bourges. Du côté de la Bike Exchange, on viendrait avec Caden Groves et Dawson Craddock. Du côté d'Ineos, on viendrait avec Elia Viviani et Kwiatkowski. Du côté du AE, on vient avec Gaviria, Ackermann, Trentin. Du côté de la Cofidis, on vient avec Brian Cocard et Yele Wallace. Du côté de la DSM, on vient avec Nils Ekhoff et John Degenkolb. Du côté d'EF, on vient avec Alberto Bettiol et Magnus Cort Nielsen. Du côté de la Bora, on vient avec Sam Bennett et Jordi Meus, Eide Schkelin également. Du côté de Arkea, on vient avec Mathis Louvel et Amaury Capiot et Hugo Hofstetter. Du côté d'Intermarché, on vient avec Adrien Petit, Hugo Page
Et Bickström est à Kovenderhorn. Du côté d'Israël, c'est pas encore définitif, mais il devrait y avoir Rudy Barbier, Rick Zabel dans cette équipe. Du côté de la Total Energy, on viendra certainement avec Lorenzo Manzin. Anthony Turgis également devrait être au départ. Uno X, Rasmus Stiller, avec Anders Karset également qui sera au départ. Du côté de la Bingold, on vient avec Milan Menten et Mathis Pasken. Du côté de Saint-Michel, on vient avec Jason Tesson, Tony Hurel, Morne Van Nicker qu'on a vu à l'attaque notamment sur Paris-Bourges. Du côté de Gosport, on vient avec Jérémy Levaux, Émile Vermeulen et Siske Viscus. Du côté du team Unant Atlantique, Emmanuel Morin, Maël Guégan et Léo Danès. Et du côté de Miss Métropole, on vient avec André Amis Sud, Jonathan Coinon qu'on a vu en échappé également sur Paris-Bourges. Du côté des favoris, des coureurs à suivre également. Du côté de mes favoris, j'ai mis Arnaud Démare, vainqueur l'année dernière. Il a fait deuxième là, plusieurs reprises depuis quelques semaines. Autant vous dire qu'il a l'écrou pour aller chercher la gagne. Il est un petit peu dans la même situation que l'année dernière, où il avait fini notamment deuxième de Paris-Bourges. J'ai mis bien entendu Christophe Laporte, impressionnant du côté de Binche. Christophe Laporte qui a été impressionnant également au championnat du monde. Donc forcément, c'est un coureur à suivre, surtout qu'on sait quand même que la Jumbo s'est préparée à ce type d'événement. Matteo Trentin, déjà vainqueur à deux reprises de la course. Trentin, pour moi, c'est le leader chez UAE, parce qu'on a vu quand même que Ackermann et Gaviria, ils sont pas au top de leur forme. Les deux ont abandonné. Du côté de Paris-Bourges, Philipson, bien entendu, il a gagné Paris-Bourges. C'est un coureur qui sait passer les bosses. Après, je ne sais pas comment il va se comporter dans les chemins de vigne. C'est peut-être l'inquiétude qu'on peut avoir du côté de Jasper Philipson. Du côté des coureurs à suivre, Alberto Bettiol, toujours performant sur ce type de parcours. Philippe Gilbert, le grand Philippe, je pense qu'il aura envie de se montrer pour la dernière course de sa carrière. Rasmus Stiller, du côté de Uno X. C'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, qui passe bien les côtes. Donc, c'est un coureur qui, pour moi, est à suivre. Et puis, Benoît Cosnefroy. On sait que ce sont des bosses qui lui conviennent extrêmement bien. Benoît Cosnefroy, il a déjà fait podium avec les chemins de vigne. Même si c'est pas le plus à l'aise au monde sur les chemins de vigne, c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Du côté des horaires de la course, départ du côté de Chartres, le départ réel sera à 11h55, le départ fictif sera à 11h40, depuis la 11h45 même depuis la cathédrale. On aura ensuite le passage à Vendôme pour le ravitaillement après 100 km de course, ça sera entre 14h05 et 14h17. Et puis le début des hostilités, c'est la côte de Limeray entre 15h10 et 15h29, la côte de Gauguin entre 15h32 et 15h53, on sera à 50 km de l'arrivée, la côte de la vallée du Vaud entre 15h55 pardon, et 16h19, et puis bah, ensuite l'arrivée du côté de Tours, ça sera entre 16h40 et 17h07 pour cette dernière course de la saison. En France, dernière course en ligne, car je rappelle qu'il y aura encore le chrono des nations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve donc pour faire le débrief de cette course dimanche soir pour le débrief de Paris-Tours. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.